Alors voilà, je vais vous montrer un petit coup de pied qui est à la mode en Kyoku. C'est pas un truc sauté, hein, de vrai. On en verra peut-être après. Là, je suis ici, je viens lui mettre un coup de talon. Alors, on va pas haut parce que là, j'ai l'impression que ça fait pas mal. Ça fait mal. Quand on envoie vraiment, on peut vraiment générer beaucoup de puissance. Ça n'a pas l'air, mais ça fait mal. Si vous faites vraiment là, dans la cuisse, ça va faire très mal. Donc là, vous allez avoir un petit peu du mal. Pour certains qui ne l'ont jamais vu. Qui l'a vu ici déjà sous le pied? Ok. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de venir ramener la cuisse, le talon, comme si vous alliez faire, comme si vous alliez le traverser. D'accord? Sauf que toute la force vient là. Les doigts de pied un peu vers le haut, là. Vous soyez fort sur le pied. Juste ça, ça fait mal. Hein. Même de là, ça fait mal. Même si juste en rajoutant la hanche, ça fait très mal. Il faut juste choper le mouvement. Il faut réussir à attraper le mouvement. Ça demande un peu de répétition, mais normalement, vous allez y arriver. Juste là, ça suffit. Si vous pouvez partir directement le pied comme ça. Hein, directement comme ça. Et vous pouvez aussi faire le mouvement pour générer encore plus de force. Ça, c'est plus complexe. Essayez-le comme ça. Déjà, vous pouvez faire une grande. Moi, je fais des fentes. Parfois, je fais ça et je reviens là. Vous pouvez aussi aller très vite comme ça. Essayez. Ça, je pense, ça s'essaye. Prenez un pao et essayez-le.